Et toi, petit, tu t'améliores toujours. Bon, merci, harceleur mystérieux. Tu peux m'appeler Taskmaster. Ça veut dire chef de l'armée, c'est ça? Ça vous va super bien. Un groupe de mercenaires est en train de commettre des crimes à travers la ville. Ces fameux mercenaires, ce serait pas tes mercenaires par hasard? Non, je sais juste qu'ils touchent une belle somme pour leur travail. À moins que tu n'interviennes, bien sûr. Qu'est-ce que tu gagnes? Je profite du spectacle et j'apprends. Le Taskmaster, ouais, ça attendra. Car faut que je trouve des infos importantes. Avis à toutes les unités, des terroristes masqués ont posé une bombe. Le signalement a eu lieu près de Midtown North, terminé. Ok. Okay. Fallait prendre... Par là, je pourrais accéder au bureau de Norman. Ok. Je peux rentrer sans avoir désactivé quelques systèmes de sécurité. Mais s'ils me voient, ils vont tout boucler en moins de deux. Ok. Furtivité. C'est important. Je peux pirater les modules de sécurité depuis l'extérieur en me connectant au réseau. Ok. L'équipe Alors. Du réseau. Il me suffit de les suivre jusqu'au module de sécurité. Et voilà, un module de sécurité. Hein? Ok. Apparemment, il y en a quatre comme ça autour du bâtiment. Ça devrait faciliter les choses. Oh, mais là, ils vont être en alerte. Ouais, bah oui. Équipe de sécurité, répondez. Ah, ok. Équipe Sable Alpha en attente. Il y a un problème électrique, on dirait. Bien sûr. Gardez un œil sur l'extérieur pendant qu'on tente de localiser le problème. Quand je me disais que ça allait être pépère... Oh, le câble apparaît au fur et à mesure, quoi. Pour le stress. Ok. Bon, bah là, ça va pas trop m'aider le pouvoir. Arrête de... Oh, j'ai failli me faire 3D head, quoi. Si j'avançais, mais... À toutes les équipes de sable, on a une espèce de problème logiciel. On appelle un spécialiste. Bien reçu. On poursuit l'inspection à l'extérieur. Voilà le deuxième module. Ok, merde. Hop. Quoi? À tous les équipes en train de pirater l'un de nos sous-objets. Putain, merde. Ça me termine. Déclenchement du protocole Delta. Ah ouais, non, mais toujours plus. Tout le monde a des drones aujourd'hui. C'est vrai, ça. Équipe Sable, j'ai besoin d'un rapport de situation. Inspection extérieure négative. Tout est dégagé. Ça ressemble toujours à une erreur logicielle? On sait pas. Évaluation en cours. Maintenez le niveau d'alerte actuel. À toutes les équipes de Sable, attention. Okay. Présence potentielle d'un intrus sur le site. Ah, j'ai failli prendre là. Analyser les données. Restez vigilants. Bien reçu, centrale. Ok. Te voilà. Hop. Saloperie. Il y a encore un sous-système qui nous a lâché. Ben, c'est fort quand même de sentir à travers les murs. Il faut balayer le 85e étage extérieur. Bien reçu, centrale. L'oiseau arrive. Je dois y aller. Balaye pas trop. Salut, MJ. Je suis au milieu d'un truc, là. Je fais vite. J'ai une piste sur l'emplacement de Charles Standish. Je pense que si j'arrive à le rejoindre, je peux le faire parler. Il savait pour le docteur Delany. Alors, il doit être au courant pour Morgan Michaels. Ok, mais je t'en prie, ne fais pas de folie. En parlant de folie, je dois trouver le dernier module. Ok. Ça run. Ok. Voilà le dernier. Ça, c'est fait. Super. Maintenant, je peux accéder au bureau de Norman. Pourvu que je trouve des trucs sur Morgan Michaels et le souffle du diable. Bah ouais, c'est un peu pour là qu'on est là. Extérieur négatif. On enclenche le verrouillage. Pas encore. Monsieur Osborne est en train de passer un appel important. Mais continuez de fouiller. Il doit y avoir quelqu'un par ici. Ok. Attendez. Je passe sur une ligne sécurisée. Épargnez-moi vos menaces, Wilson. Mon personnel a déjà épluché tous vos dossiers. Si vous dévoilez notre accord, ce sera votre parole contre la mienne. Et ce n'est pas moi qui suis actuellement derrière les barreaux. Minute. Norman est en train de parler à Wilson Fisk? Quelle statue de Neo? De quoi est-ce que vous parlez? La statue Neo de la salle d'enchères. Ils doivent être en train de parler du fichier qu'MJ a trouvé. Qui a le fichier? C'est nous, Norman. Mais ça nous en dit pas assez. D'où mon entrée par effraction. Passablement illégale, certes, mais moralement acceptable. Bah si c'est moralement acceptable. Bingo. Ok. De toute façon, rien ne peut m'arriver. Je suis habillé comme Tobey Maguire. GR27.
Le directeur des recherches est le docteur Morgan Michaels, mais l'emplacement du labo est censuré. Ouais, bah, bien sûr. Oula. Un CRISPR contrôlé par une IA ? Ça pourrait guérir toutes les maladies génétiques ? Mais oh la dingue ! Huntington ? C'est pas croyable. Consistant résultat, ok. Et le mauvais ? Ah ouais, ça vise pas les 1, d'accord. Ah ouais. Ah, waouh ! Ah oui, d'accord. Ah ! Flippant. Ah, c'est des souris ? C'est dégueulasse, pourquoi ils nous montrent ça ? Mais attendez, mais c'est pas censé être un jeu tout public ? Qu'est-ce que... Enfin... Wow. Le GR27, c'est le souffle du diable. Il ah oui, carrément. Pour soigner les maladies. Et là, on passe d'une épidémie globale. Actuelle, c'est une arme biologique. Ok. Docteur Michaels garde l'unique échantillon avec lui. C'est pour ça qu'il est pourchassé par lui. Si on trouve Michaels, on trouve le souffle du diable. Ok. Oui, forcément, parce que d'accord, c'est une belle avancée technologique, mais bon. Ça peut tuer 40 personnes ou la terre entière, donc c'est vrai que c'est pas fou, quoi. Alors, Pete, quoi de neuf ? MJ, écoute ça. À la base, le souffle du diable n'est pas une arme. C'est un traitement pour les maladies génétiques, mais sa forme actuelle n'est pas au point. Au lieu de guérir le corps, elle le détruit. Il faut qu'on retrouve le docteur Michaels. Sab n'est pas capable de contenir quelque chose d'aussi dangereux. J'ai peut-être une piste là-dessus. Charles Standish est retenu au site de Central Park. Si quelqu'un sait où se trouve Michaels, c'est bien le directeur financier d'Oscorp. Je vais essayer de le joindre là. Joindre ? Ça grouille de garde là-bas ! Comment tu comptes t'y prendre ? Très très discrètement. Faut que j'y aille, partenaire. S'introduire dans les locaux de Sable ? Ça peut vite mal tourner. Je devrais aller à Central Park. Le parc est tellement immense, quoi. Le parc est tellement immense. J'avais même pas vu déjà qu'il y avait cette petite tour là. Hop, on va faire ça rapidement. Oula. Hop. Ok. Ça c'est fait. Ok. Et on va rejoindre la très chère MJ. Ok. Hop là. Bon, pour l'instant, ça se passe nickel. Des terroristes masqués ont pris un quart de touristes. On a besoin d'agents sur place, à Bloomingdale. What? Quoi? Ah, on dirait que Doc a appelé. Peter, j'ai eu une révélation. Ok, bizarre. Tout repose sur l'esprit. Bizarre. Moi, par exemple, un esprit au potentiel illimité enchaîné à un corps vieux et fatigué. Pense à ce que cet esprit pourrait faire s'il était libéré. Ouais. En développant notre interface neuronale, il pourrait penser plus loin que les limitations de notre forme physique. Ok. On doit utiliser notre imagination pour envisager toutes les possibilités. Tirer parti de notre esprit. J'avais jamais entendu le doc aussi excité par un projet. Tu m'étonnes. J'ai pas trop cité. Où est-ce que tu te caches, MJ ? Oh ah. Trouvé. Ouais. 15 minutes plus tôt. Le contacter ? Ça grouille de garde là-bas ! Comment tu comptes le contacter ? Moi, j'ai pas mis 15 minutes à arriver, hein. Discrètement. Faut que j'y aille, partenaire. Mon immersion. Quelque part par là. Mon immersion. Il faut que je passe ce garde. On va voir si les leurres que m'a donné Peter fonctionnent. Moi-même, je les ai pas essayés. Ah si ! Non ! Ah si, c'est les trucs électrocutes. Non, c'est pas les trucs électrocutes. La base de sable. Ah, mais c'est la... Ce trou dans la barrière est tentant. C'est la chef, là. Il faut d'abord que j'éloigne le garde. Alors... Ah oui, d'accord. Je voulais ouvrir le menu, mais avec elle, on a qu'un truc. Seront distraits par... Ah ! Ok. Va voir ailleurs. C'était quoi, ça ? Je dois filer. Maintenant. Mais là, en vrai... Enfin, bon. On le sait, c'est un jeu vidéo. Je vais voir comment va notre invité. Bouge pas. Ok. Notre invité. Ça doit être Standish. Il est là quelque part. J'ai vu ça. Ah, du coup, ça a actualisé la quête. Maintenant, c'est de trouver Charles... Bon, je sais pas si c'est un... Si c'est, comment dire, je c'est fait exprès, mais... Possiblement. Hop. C'est un peu comme le jeu. J'aime bien les jeux aussi où, vous savez, on sait pas qui parle.
mais une fois qu'il se présente, bah, par exemple, on sait qui c'est. S'il y a plein de jeux qui mettent le nom du locuteur, et du coup, on le lit avant de savoir qui c'est, du coup, ah, mais c'est machin, et du coup, c'est un peu chiant. C'est pour ça que moi, quand je peux les enlever dans les jeux, je les enlève, les indications de locuteur, parce que ça spoil plus souvent qu'autre chose. C'est cool de s'en rendre compte ou qu'il s'annonce lui-même, quoi. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? Les démons suppriment tous ceux qui ont un lien avec le souffle du diable. Oh, le mec à gauche là. Je cours un grave danger. Je peux rentrer ou quoi là ? Non ? C'est bon. Ok. On se dépêche. D'accord, d'accord. Excuse-moi, excuse-moi. Je vais me faire gronder, quoi. Alors. Est-ce qu'il est là-dedans ? Ah ben. J'en étais sûr. Il est là-dedans. Il faut que j'accède à cette tente. Ok. Sauf que j'entends marcher là. Ah, le bruit alors qu'ils sont à. Ok. Ça lui va bien son petit parker vert. Ça fait bien ressortir les cheveux. Aussi les communications. Je ne veux pas que la presse apprenne pour Michaels ou le souffle du diable. À vos ordres. Ah, le générateur a grillé. Ça va pas le. Mais du coup, elle, c'est une gentille parce que. Enfin, c'est un truc. Indépendant qui travaille pour le maire, mais comme je vois qu'il y a un DLC sur elle, à mon avis, elle est peut-être pas si gentille que ça. Là, je peux faire diversion, lui va me cramer ma race. Bon, il y a des bruits de pas partout, c'est tellement stressant. Pourquoi j'aurais pas besoin d'activer? Ça active les deux là? Ah oui, on l'a, oui, on le voit. J'avais pas fait gaffe ça. Est-ce que ça le faisait déjà? D'afficher en vert les mecs qui vont être distraits ou. On apprend cette mécanique là? Moi j'ai trust hein. Ce camion n'a rien à faire là. Il devrait être parti depuis une demi-heure. Reçu, on y va. Le camion va se déplacer. Je devrais me cacher derrière. Hein? Hop, hop. Ok. C'est bon. J'aurais pas eu les couilles de faire ça en vrai. Qu'est-ce qu'il y a un mec là? Je vois qu'il y a une diversion. Bravo, ouais. Et Charlie sont en place pour le transfert du docteur Michaels, madame. Ajoutez deux unités. Ah, je peux pas. Il porte le seul échantillon du souffle du diable. Je ah, mais là, il est pas. Bien, peu importe les effectifs de sable, elle ne pourra jamais arrêter Martin Lee. Quoi? C'est marrant parce que c'est vrai que je joue à Assassin's Creed et vous savez, il y a le délire de pouvoir siffler pour attirer. Mais en fait, j'y pense même pas. C'est assez. C'est un peu comme les cailloux dans. Comme dans les cailloux dans Far Cry, quoi. C'est vraiment pas quelque chose que je pensais. Pourtant, bah c'est trop fort quoi. Ok. Ça a l'air important. Bon, c'est vrai qu'indirectement c'est plus sympa de choper les mecs sans les attirer vraiment. Avec ça. C'est peut-être laquelle. Faut que je bouge. Ok. Oh, ouais, mais là, il y a le camion. Voilà, le timing. Je peux désactiver ça. Oh, j'ai raté le timing. Je pense qu'il faut que je fasse le timing avec le camion. Il doit juste faire des tours, non? Parce que lui, là, il me... Ouais. Après, je peux l'attirer avec ça. Pas. Ah là, ça m'indique pas lesquels vont être... Encore? C'est quoi cet éclairage? Ok. Bouge-toi. Ah, c'était chaud. Ok. J'y suis. On va les laisser passer. Allez, tranquillement. Allez. Et je pense que lui, je vais le baiter sur le côté. Attends, mais ils vont où par contre? Ouais. On va même se dépêcher. On va faire gaffe au carton. Ah, tu voulais vraiment pas aller plus loin? Non, non, c'est bon. Il a cru voir un truc, mais en fait, non. Ouais, je l'ai un peu mal aggro quand même.
Reste là le micro là. Oh, il va avoir peur, il va casser Charles la tasse. Standish. Oh non. Charles, où est le docteur Morgan Michaels? C'est Lee qui vous envoie. Parlez-moi fort. C'est ça. Non. Oula. Ah, c'est lui qui me tenait en joue. Ah, j'ai même pas fait gaffe avec le... Dites-lui de le faire lui-même. Je ne suis ni avec les démons, ni avec Sable. Je suis journaliste. Monte ta carte. Et je veux qu'on arrête Lee. Tout comme vous. Watson. J'ai entendu votre nom aux infos. Sable ne veut rien savoir. Mon cher Watson. Elle garde Michaels dans le Bowery. Il l'emmène ailleurs demain en milieu de journée. Mais elle se fiche de Grande Centrale. Grande Centrale ? Les démons en ont parlé pendant qu'ils me tenaient. Ils vont là-bas pour... Pourquoi, Charles ? Qu'est-ce qui intéresse les démons à Grande Centrale ? C'était... Non ? Qu'est-ce que... Ok. Charles ! Oh ! C'était pas quelqu'un de chez Sable. Clairement pas quelqu'un de chez Sable. Désolé, Charlie. Ok, il est mort. Y aller. Attends, il a une info. Ah, j'ai tout fait foirer, quoi. Bon, par contre, le mec, il est tombé sur de la mousse et il était à moitié assommé, c'est trop. Oh, elle avait l'air vénère. Hein. C'était peut-être le voyage le plus gênant de ma vie. Ah bah ça arrive. Hein. Ça arrive. Hein. C'est sûr qu'en faisant rien, on risque pas de se tromper. Ok. Et au fait, une dernière chose. Désolé Charlie, t'assommes un mec, tu piétines mon travail d'approche et tout ce que tu trouves à dire c'est désolé Charlie. Tu transformes tout en blague, c'est ça? Quoi? MJ, non mais j'ai foiré. C'était pour détendre l'atmosphère. Détendre l'atmosphère? Ok, tu le sais que c'est précisément pour ça qu'on a rompu. Je croyais qu'on avait rompu pour ta carrière. Waouh. Rompu parce que t'arrêtais pas de me traiter comme une gamine. Fais pas si, MJ. Oh, fais pas ça, MJ. C'est trop dangereux, MJ. J'ai peut-être pas des super pouvoirs d'araignée, mais je suis pas faite en sucre. Tu t'es introduite dans un camp de militaires armés. Tu sais quoi? Voilà, on crève l'abcès. Voilà. S'il te plaît. Voilà. Est-ce que t'as trouvé quelque chose sur le docteur Michaels? Bien. Michael se trouve quelque part dans le Bowery. Sable le transfère ailleurs demain midi. Excellent. Rien d'autre? Il a pas dit un truc sur Grande Centrale avant que je déboule? Il a... Non, rien de spécial. Écoute Parker, faut que je te laisse. J'ai un bouclage. Eh ben voilà, on crève l'abcès. Ça veut dire qu'elle m'en veut. Du coup, c'était pour ça. Bien joué, monsieur le super-héros. C'est ça aussi, c'est les classiques. Hein. Faut deviner que ça va pas bien, faut deviner ce qu'il y a... Vous avez le droit de parler aussi, mesdames. C'est un peu chiant. Hein. Mais quand je te dis que ça va, tu dois savoir que ça va pas. Bah non, en fait, parce que je suis un être humain, en fait. Et quand on me dit oui, c'est oui. Et quand on me dit non, c'est non, quoi. Bah, il y a un moment... Alors, bref. Passons ce détail. Ce détail de vie. Du coup, en vrai, ça se remplit, les trucs. Hein. Ça se remplit, les trucs. Donc ça, c'est des trucs secondaires, c'est ça? Ouais, ça, c'est des trucs secondaires. Ok. Impeccable. Bah écoutez, on va tranquillement faire des petites choses. Hein. Le temps que ça se concrétise, la suite de l'histoire. On va aller prendre ce petit sac à dos, là. Il est où? Ah, il est en dessous. Ok. Impeccable. Trophée scientifique. Trophée scientifique Wilson Fisk. Et le chèque. Refusé. Ça aurait éveillé les soupçons. Et le chèque surtout. Hors de question que j'accepte son argent. Bon, j'ai quand même accepté de recevoir des sacs à dos gratuits à vie. Ouais, comme ça, t'en fous partout en ville. Des terroristes masqués installent une bombe. Rendez-vous dans le Lower Chinatown. Bonjour. Chasse au sniper. Spider-Man, on vient d'arrêter un sniper qui traquait le directeur du cabinet du maire Osborne. Ok. Je suis sûr qu'il y a d'autres cibles. Le prévenu avait une carte de la ville où le tribunal était marqué. Je m'en occupe. Essayez d'en savoir un peu plus auprès de notre ami. Et contactez-moi à ce numéro. Ok. Il faut que je me dépêche. L'attaque du tribunal ça, peut avoir lieu d'une seconde à l'autre. Si, c'est ça, là. Attendez, parce que ça m'a l'air d'être le truc en cours. Tout va bien hein. Mais y a que ça. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Ouais, si c'est ça. Ok.
Si le sniper me voit près de la cible, il l'abattra. Personne ne voit le laser. La seule chance est de neutraliser le tireur avant qu'il fasse feu. Et dodo. Ok. Ah les campeurs, je peux pas les voir. Ok, ça c'est drôle. On a trouvé le téléphone du prévenu. On a trouvé des noms et des lieux. Apparemment, il prévoit d'attaquer d'une minute à l'autre. On est large. Envoyez-moi tout ça. Plusieurs snipers, un Spider-Man. Je vais devoir faire vite. Ouais. Tous ceux qui ont travaillé sur la campagne de Norman sont maintenant des cibles potentielles. C'est une façon comme une autre de détruire Osborn. Faire en sorte que personne ne veuille l'approcher. C'est vrai. C'est malin. Le sniper doit être là, quelque part. Ok. Pulvérisé. Un de moi, encore deux. En tout cas, c'est bien plus... Bien plus facile que les petits défis de vitesse et tout, là. J'en ai fait un juste avant avec un drone, je devais le suivre et rentrer dans des zones et tout. Je dois contrôler tous les emplacements de snipers possibles. Petite dizaine d'essais quand même. Hein. Merde. Oula. Bon, après c'est bon, on a le temps. Salut mec. Ok. Impeccable. Cible sauvée. Ah merde, j'ai cru qu'on pouvait passer dessous. Oh, c'est joli là. Si je suis trop lent, il y aura des victimes. T'inquiète. On est large. Ah. Pourquoi les assassins agissent toujours quand ça m'arrange pas? Ok. Oh, il y a un sac à dos. On n'a pas le temps. Je suis sur place. Où est l'assassin? Ah. Merde, j'ai oublié ce détail. Ah merde, j'ai oublié ce détail. Ben ouais, mais... C'est un sniper. Oh merci le jeu. Mais... Ouais, ben oui, non mais oui, faut pas se faire détecter. Où est l'assassin? Tu l'as pas vu venir, celle-là. Mais non, mais c'est pas lui que j'ai visé. C'est pas lui que j'ai visé. Oh là là, c'est catastrophique, hein. C'est catastrophique. Ok, c'est bon. Juste attends. Ça y est, les trois snipers ont été neutralisés. Est-ce que c'est bon? Pas tout à fait. Le prévenu nous a dit que ses complices tiennent un groupe de touristes en otage. Oh merde. Il a dit que s'il n'est pas libéré, ils les exécuteront. On pense savoir où ils sont d'après les antennes relais. Mais s'ils voient arriver la police, ils ouvriront le feu. Faites semblant de négocier. Gagnez du temps. Je m'occupe de leur monnaie d'échange. Ils laisseront pas de témoins. Si je sauve pas les otages, ils mourront. Ah bah oui, c'est le principe, ouais. C'est sûr que c'est le principe, hein. Si on n'est pas sauvé, on est mort, hein. Ok. Ah, la mission, en fait, qui se transforme en... En série télé, quoi. Allez, 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 allez. Plus vite, plus vite. Ok, j'ai la concentration, moi. Oui. Prendre la vitesse quand même. Par contre, dans un parc, pour utiliser les trucs, ça va pas être simple. S'ils me voient, ils tueront tous les otages avant que je puisse agir. Ok, pas deux fois la même erreur. Notre demande est simple. Libérez nos camarades ou on liquide les otages. Nous travaillons avec le procureur. S'ils me repèrent, les otages sont morts. Je dois m'en occuper en silence. Hein? Quand ça danger? Ok. Bon, ça déjà c'est fait. Lui, il met en joue les mecs. Je pense qu'on va le fumer. On va le fumer comme ça.
Ah ouais, on va peut-être pas le fumer comme ça en fait. Bon, déjà tu t'envoles. Parce que ça il y a un petit délai. Ça c'est pas mal en vrai. Merde. Si c'est bon. Ça a marché. J'ai eu peur mais ça a marché. Ok. Moi, j'ai cru que ça allait pas prendre. Merci encore Spider-Man. On a évité le pire. C'est grâce à vous que j'ai pu les retrouver. C'était un travail d'équipe. D'ailleurs, si vous pouviez convaincre vos collègues de m'aider au lieu de me tirer dessus, ça m'arrangerait. Nice. Ok. Et ben voilà. Allez. Peter, je m'apprête à lancer un nouveau test là. Où es-tu? Ah, désolé. Une panne de bus et aucun taxi disponible. Mais j'arrive dès que je peux. Il y croit vraiment ça, aucun taxi disponible à New York? Bon après le mec il a cru que j'étais le couturier de Spider-Man, donc je t'avoue que c'est pas le plus voilà hein, ça devient un super méchant mais bon il a pas un super QI quoi. Ok. 10-43, on nous signale une prise d'otage impliquant un car. Incident à Hudson Town. Un car? Oh ça m'intéresse ça, on n'a jamais vu encore ça. Si on va aller voir ça, de toute façon c'est sur la route. Allô? Monsieur Parker, c'est Rio Morales. Je voulais vous remercier d'avoir trouvé un emploi à Miles au refuge Fist. C'est un plaisir. Et appelez-moi Peter. Monsieur Parker, c'est... Merde. Ah. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais juste le ramasser. Ah, du coup, on n'a pas le truc? Ah, vas-y, je voulais juste le ramasser, mais... Ah, je vais péter mon crâne. Ça fait trop longtemps que Spawn traîne cette ville dans la fange. Maintenant, ça suffit. Oh là, oh là, oh là. Je suis vraiment désolé. Où j'en étais? Ah ouais, c'est un plaisir. Et appelez-moi Peter. Monsieur Parker, c'est... Ça irait mieux à quelqu'un de plus beau que moi. Je peux vous avouer qu'il a hésité. J'ai fini par lui donner le choix entre ça ou de nouvelles séances de thérapie. Il a besoin d'agir. Et il déteste qu'on ait pitié de lui. Je comprends, je suis pareil. Normal. Hein. J'en parlerai à Tante May. Je ferai en sorte d'être là pour son premier jour. Merci encore. Nous vous sommes vraiment reconnaissants. Qu'on m'explique pourquoi c'est parti en couille là? Mais je comprends pas, j'étais discret. Oh, le petit Klaus Carter là. Je comprends pas pourquoi. Ok. Ce serait sympa qu'il lève le pied sur les otages. Ouais, très bien. Bon, bah ouais, je l'ai chopé. Il était en. Personne ne le voyait. Il y a peut-être un mec qui s'est tourné. Il y en a un qui a dû se retourner et tout. Bon, bah tant pis. Et ils font vraiment mal, hein. En plus, c'est bien parce que j'ai de plus en plus d'HP, mais les combats sont toujours aussi proches de mourir, quoi. Donc, la chef nous demande un point sur la situation à Chelsea. Centrale, transport Bravo attaqué par les démons. Hop là. Allez. Petit docteur Octavius là. Après, c'est un bon gars, mais en vrai, dans le lore, il devient méchant parce que justement, il en a marre d'être traité comme de la, comme du caca ou. Je me souviens plus trop en vrai. Déjà de base, il est à moitié fou quoi. Bonjour Peter. Bonsoir. Bah, ça ne fait rien. Ok. Tu peux vérifier les neurocapteurs? Il nous faut un temps de réponse plus court. En charge. Essaie de le faire passer sous les 3 millisecondes. Oh oui, en effet. Alors c'est quoi là? C'est les trucs électroniques là? Ok. Ah non, c'est un nouveau truc encore. Voyez, c'est un nouveau mini-jeu quoi. Optimiser ce relais électrique. Relais électrique. Ah non, mais c'est ça, ouais, d'accord. On veut 1 de tension.
Sachant qu'on a plus 1, plus... 1 ? Ah ben c'est bon. Ah oui, ça c'est verrouillé. Attendez. Pourquoi j'aurais faire ça ? Je peux faire ça. Ah, parce que là après... Bah si, c'est bon. En vrai. Je mets... Ça. Ah mais non, parce qu'il faut que je passe en bas. Bah oui, il faut que je passe en bas pour le truc de tension. Qu'il est bête. D'ailleurs, on va le mettre. 1. Je pense qu'on va le mettre comme ça. Ouais, comme ça. Donc là, on veut ça. Ici, on veut ça. Ici, on veut ça. On a la tension. Ici, on veut celui-ci. Là, on veut un droit. Un deuxième droit. Merde, c'est pas bon. Ah bah si. Je peux retirer celui-ci. Et du coup le mettre là. Là je mets un droit. Là je fais ça. Et là je fais ça. Easy. Ok. Parfait. Ok. Et ensuite... Ah, on n'est pas rendu encore au... à ce qu'on veut. Il y a un problème d'impédance sur ce circuit neurosensoriel. Calibrage est pas bon quoi. Oula 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 oula. On veut 4, on a 3, il y a un moins 1. Ah, je peux pas les enlever eux. Intéressant. Ils sont lock. Du coup, faut qu'on arrive en haut. Ah, faut qu'on arrive par là. Donc, faut qu'on passe par celui-ci et celui-ci. Donc là, on va être à 6. Moins 1. Donc là, il nous faut un... Ah, mais il est verrouillé. Ah bah, c'est bon, bah, je le mets là. Moins 2. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc ça, on le retire. On va le mettre comme ça. On va le mettre comme ça. Donc là, on est à 6. On va au bout. Avec ça. Avec ça. 4. Là, on veut... Ça. Impeccable. Ça. Et ici, celui-ci. Ok. Fini. C'est bon, là ? Nice. Ah, non. On gratte les millisecondes, hein. Façon d'optimiser un PC, quoi. Changer le processeur de signal devrait réduire la latence. Ok. Oula, 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 oula. Alors, on a 0, il nous faut 5, sachant qu'il y a forcément... Enfin, forcément, pas forcément. Ah, pas forcément. Pourquoi je voudrais passer là-haut? Alors que... Ah si, on n'a pas le choix. Ah ouais, parce qu'il faut que le circuit soit fermé. Je pense pas que j'ai le droit de faire tac, tac. Tac, 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 et tac. De toute façon, je peux pas parce que celui-ci... Ah, si. Alors déjà, mettons n'importe lequel. Donc là, j'ai 2. Si je fais ça, on a 4. On a 4. Si ici, je mets ça, on est à 8. 8, et il nous faut 5. Donc c'est bon. Donc là, je peux mettre un moins 1. Pourquoi pas. Et là, un moins 2. Ok. Déjà, ça c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à relier. Tout simplement. Tout simplement, il n'y a plus qu'à relier. Ok. Tac. 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 Et ça. Voilà. Nickel. Oh, on a même gratté un peu, quoi. Ben voilà. Bien joué. Tac. J'ai réussi, Doc. 2,8 millisecondes. Beau travail, Peter. Du coup, c'est pour contrôler les bras, ça. Parce que c'est vrai que s'il fallait une manette pour contrôler les bras, alors que de base, t'as pas de bras, c'est un peu bizarre, quoi. Et voilà. Ah oui, au cas où. Pour éviter l'électrocution. Ah ouais. Oh, c'est stylé.
Bon, ça fait peur ce qu'il faudra l'affronter, mais... Allez, il va se tourner et ça va faire... Ouais. Non, alors. Mais du coup, comment ça marche? Parce que si de base, tu sais pas jongler avec tes bras, comment t'arrives à dire à ton corps de jongler juste par l'esprit? C'est fou, ça. Ah ouais. On va pouvoir fournir les intermittents des spectacles, quoi. Ça nous fait une petite victoire. Vous voulez rire? C'était génial! Ah. Un coup de main? Oui. Oui, il faisait... Ah, juste là, il avait pas l'enlever. Mais il n'y a pas de honte, en fait, enfin... Qu'est-ce qui se passe, docteur? Ça se voit tant que ça? Bah... Mon médecin parle d'un désordre neurologique dégénérescent. Très certainement dû à une surexposition aux produits chimiques dans ma folle jeunesse. Et je peux faire quelque chose pour vous? Oh, tu m'aides déjà. Le pire, c'est que ça affecte seulement les muscles. Ah, du coup, il prépare la... Le okay. cerveau, lui, fonctionne toujours, mais... Il ne peut plus agir. Ah oui, mais sans cerveau... Sans cerveau, tu ne peux pas contrôler les trucs. J'aimerais que ça reste entre nous. Bien sûr. Et du coup, il ment. Si tu préfères trouver un travail qui aurait plus d'avenir... Non, j'ai voulu travailler avec vous pour ce que vous avez là-dedans. Et ça a pas changé. Bah, bientôt, quoi, mais... Alors je reste ici. Mais je comprends pas. Parce que là, pour bouger les bras, il faut le truc, donc il faut le truc neuronal, mais s'il perd ses neurones, comment après il devient le super méchant? Il contrôle comment? Oh, Peter, avant que j'oublie. J'ai lu un article passionnant qui pourrait nous guider dans le développement de l'interface neurale. J'y jetterai un œil. Merci, Doc. D'ailleurs, c'est vrai que c'est quoi la différence entre neural et neuronal? C'est les neurones, mais du coup, neural, c'est juste le cerveau en général. Il les utilisait à l'université quand il devait manipuler des isotopes radioactifs. Il dit qu'elle l'aide à rester humble. Ok, allô? Petite banane. Qu'est-ce que c'est, Doc? J'avais encore jamais vu cette matière. C'est pour faire de la soudure, tu le crois ça? Il offre une protection magnétique remarquable et limite la contamination croisée entre l'interface neuronale et les bras. Mais là, il parle d'interface neuronale. Ça veut dire la même chose ou... Ça me trigger. Ouais, puis il garde tous les trucs. Vulture Scrock. Mais Vulture, du coup, c'est le... Bah, c'est le piaf, là. Je l'ai jamais vu, ça. Autant Rhino, ouais. Fisk, ouais. En vrai, Electro Scorpion... Ouais, est-ce qu'ils sont pas, au final, eux, dans... Mais surtout, si je les ai vus... Il me semble que j'en ai fait un, jeu Spider-Man, mais je les ai surtout vus dans... Dans Batman, en fait. Fisk et Rhino, on les voit dans Batman. Par contre, Vulture... Ouais, ça me dit rien. Vulture, Electro et... C'est vrai qu'il faudrait que je les refasse aussi, les Batman. Bon, je pense pas que j'arriverai à les faire à 100% parce que c'est pareil, les trucs de combo et tout, c'est infini là. Je me souviens du jour où je suis venu passer mon entretien. Je suis arrivé avec une chemise tachée et 10 minutes de retard à cause d'un braquage. J'en reviens pas que le doc m'ait quand même accepté. J'espère qu'il le regrette pas. À mon avis, il s'est quitté surtout et donc il préfère te contrôler. Alors. Phase directe avec les noyaux gris centraux. Prometteur, mais risqué. Je sais pas, Doc. Il faudrait un treillis de gallium pour que ça marche. Et les risques de blessures resteraient élevés. Du gallium, c'est génial. T'en fais pas pour les risques. On s'en occupera en temps voulu. Ok. Très bien. Et ça, c'est ses radios, Doc, ça grave. À ce rythme, il aura perdu le contrôle de ses fonctions motrices dans moins d'un an. Et si on fait pas attention... Un implant intracrânien pourrait accélérer le processus, voire altérer sa personnalité. Ah. Il va falloir être prudent. Ou alors il devient méchant avant que ça arrive, ou justement en implantant le truc, ça altère et là il devient méchant. Ça, je sais vraiment pas, quoi. C'est terrible. Moquez-vous. Enfin, moquez-vous, je pense que c'est plus de dégoût qu'autre chose.
Doc, désolé, mais ma tante vient de m'envoyer un message. Pas de problème, Peter. Je pensais faire une pause, moi aussi. Dès que j'aurai vérifié les données télémétriques. Merci. Je serai de retour dans quelques heures.